Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Vélorando, la chaîne de l'évasion. Aujourd'hui, on vous entraîne à Lozère en direction de la montagne Fendue et de ses environs. C'est parti tout de suite. Alors, remerciement à Jean-Louis qui se reconnaîtra de m'avoir indiqué ce coin de Lozère que je ne connaissais pas, le secteur de la montagne Fendue, que l'on va aller explorer donc avec Lionel qui m'accompagne comme d'habitude. Voilà le premier objectif de la journée. Difficile à voir avec le soleil, mais c'est ce piton en face de nous qui s'appelle le truc de Grèze. Il domine le village du même nom que l'on va rejoindre. Donc vous l'avez vu, petite partie donc avec de la route, c'est le début du parcours. Et puis ensuite on sera majoritairement sur des sentiers pour un total donc de 15 km. Alors les amis, cette nuit il y a eu un léger orage dans le coin. Et donc si tu veux traverser à gué, Lionel, ça va être à droite là, ça passe. Ouais, juste là. C'est beau. Un peu plus haut. Moi j'y vais plein pot dans l'eau. Chaussures étanches. C'est bon, il est passé. Allez, on arrive au fond de cette vallée de la Jourdane. Et là, ça va être le début de la remontée, direction donc le piton du truc de Grèze. Première vue sur ce village de Grèze, en pays gévaudan. Château en ruine, droit devant. On va faire un aller-retour pour aller admirer l'église du village. Est-ce qu'on peut rentrer dans cette église ? On nous a conseillé de passer par la petite porte. Je ne sais pas si la porte elle est... Ah, il faut forcer un peu. J'ai peur que ce soit fermé quand même. Non, je suis pessimiste. Nous sommes un dimanche, tout près de l'hôtel de l'église, un peu en avance par rapport à l'heure de la messe. Les paroissiens ne sont pas encore là. Belle lumière ici. Hein, nouvelle vue sur la vallée, mais on la verra mieux tout à l'heure quand on sera au sommet. Si vous aimez la belle pierre, c'est le genre de village qu'il faut venir visiter. Grèze en Lozère, 230 habitants je crois, si on considère tous les hameaux alentours. Ça sent bon là. Lionel, t'es prévenu. La mairie décline toute responsabilité si t'as un problème. C'est parti pour un assez court aller-retour vers la montagne Saint-Frézal, c'est comme ça que ça s'appelait. Rebaptisé aujourd'hui Truc de Grèze. Alors truc, ça veut dire mont, ça veut dire pic, ça veut dire sommet. Ça dépend des régions. Chaque région a sa toponymie. Précision sur cette butte qui culmine à 1008 mètres d'altitude, il s'agit d'une butte témoin. C'est une entité détachée d'un ensemble plus important. En l'occurrence, ici, il s'agit
d'une partie, je pense, du Cosmégen ou d'un sous-ensemble donc de la région des Grands Causses. Allez, on va sortir de ce bois de résineux. Et je pense que la vue qui va s'annoncer sera assez superbe. Sur le deuxième point de vue du sommet, plein ouest ce coup-ci. J'aimerais bien qu'on voit la montagne fendue parce qu'elle est pas loin de nous. Je suis pas sûr qu'on l'aperçoive sur notre droite. Si, là voilà. On va vous montrer où c'est qu'on va aller tout à l'heure. Voilà cette curiosité géologique. Là voici la montagne fendue. C'était donc le truc de Grèze. Avec quelques vues assez intéressantes à droite à gauche. Mmh.
Et on s'arrête pour admirer le truc de grèze sur lequel nous étions il y a quelques minutes. Vous êtes très nombreuses et nombreux à aimer notre contenu. Alors pensez à vous abonner et aussi à conseiller, à partager nos vidéos à vos amis randonneurs ou tout simplement aux gens qui aiment bien les belles images, les beaux paysages. Là voici la montagne Fendue. On est à sa base. Il y a une légère grimpette à la Lionel, il me semble. Ça a l'air assez raide tout d'un coup. Étonnant le changement brutal d'univers. On passe des prés donc à cet environnement très caillouteux, très escarpé. Nous voici donc à l'intérieur de la montagne Fendue, une sorte de couloir entre deux parois rocheuses. Pas très très hautes ces parois, mais curiosité géologique assez étonnante. Il a dû y avoir un effondrement ici au milieu. Ou alors se sont séparés peut-être les deux parois. Si vous êtes géologue, on attend vos commentaires. L'univers un peu plus minéral ici donc avec ces falaises, ouais, c'est assez étonnant. Alors là, il y aurait une grotte indiquée sur la carte, mais je ne pense pas que ce soit ce sentier. On va tenter de s'y engager. Ah oui, là d'un coup, on est revenu dans un monde de montagnards. Là, c'est là qu'il y aurait déjà une petite ouverture, là, ouais. Grotte ou pas grotte? Alors... Alors vous le verrez pas parce que j'ai pas pris la super lampe aujourd'hui. Mais il y a un boyau qui s'aventure là-bas, au fond, effectivement. On va pouvoir continuer à avancer, je pense. Lionel a ouvert le cahier de la grotte. Je fais mes exercices. Je suis en train de regarder. Il y a des chauves-souris. Ah. Il y a au moins 5 espèces. Allez. Voilà. C'était la mini-grotte. Mais... Allez Lionel, ne casse pas la gueule en redescendant de la grotte. C'est croulant ici. C'est croulant, croulant. On va essayer de voir s'il y a une deuxième grotte, mais je pense qu'il y en a un peu partout quand même. On les voit en face là déjà, des ouvertures. Aujourd'hui on ne va pas trop explorer, faute de lampe. C'est vraiment du calcaire ici. Hein. Ça... Il y a des trous partout. Allez, on a déjà traversé cette montagne Fendue. Et maintenant, on va aller la voir du dessus. Et puis sur le fond, là-bas, c'est la suite du parcours. On ira sur ces antennes. Eh bien la voici, la montagne Fendue, vue par l'eau.
je vous montre comment on traverse les par ici, les barbelés. J'utilise les cailloux. On utilise ces tas de pierres. Je suppose qu'il n'est pas là tout à fait par hasard. Oui. Parce que sinon, ça pique. Allez, on me cap à présent vers ces antennes qui sont pas très belles, antennes en relais. Je pense que la vue sera quand même pas mal de là-bas. Ça s'appelle le truc du midi. Ça culmine à 1020 mètres. Et d'ici là, on a un plateau à traverser, plus ou moins bosselé. Alors, mis à part la section de la montagne fendue qui est un petit peu escarpée, mais sans plus, ben, le reste du parcours c'est presque familial. C'est tout doux. Quelques montées assez raides au début, mais rien de technique en tout cas. Voilà, des beaux abricots moelleux fournis par notre partenaire nutrinaturel.com, une épicerie bio et des compléments alimentaires bio. Et là, c'est la marque Pépite, abricots moelleux, excellent pour l'énergie du randonneur. Ça fait bien l'affaire, ça. Une fois de plus, on ne peut pas vous envoyer les odeurs, mais ça sent divinement bon. Et bien voici la vue du truc du midi, il est que 10h40 du matin, c'est pas grave. La vue est bien au rendez-vous comme on l'avait prévu. Et là on voit même notre point de départ. Et c'est simple, il suffit de regarder les falaises. Que vous allez voir arriver là, ici, vous descendez le champ vert, on est parti à peu près de là. On aperçoit la piste qui va nous ramener dans la vallée. Et on va faire ce court aller-retour là juste en face de nous. Ce serait dommage de s'en priver, je pense. Allez, on quitte ces vilaines antennes. Direction ce sommet un peu plus nature là. Ça tombe bien, on nous a prévu le passage. Allez, la vue ultime donc avec l'Aubrac, je suppose, sur la gauche.
Allez, un dernier coup d'œil, Lionel, sur Marvejols. Assez grande ville quand même, dans ce secteur. Et c'est parti pour le retour. Voilà donc l'intégralité du parcours, une fois de plus. L'endroit où on s'est garé, à ta droite. Le pic de Grèze, le truc de Grèze plutôt. La montagne fendue, on voit la sortie là. Et puis le dernier sommet. Puisqu'on vous aura donné le nom de toutes ces buttes, ces buttes témoins comme on les appelle, et bien voici la dernière, tout près de nous, avec ces résineux, ça s'appelle le truc de Saint-Bonnet. Alors on était juste au-dessus de ces falaises là, sur les antennes. Et là on perd rapidement de l'altitude pour se diriger vers un premier hameau. Une église en restauration, 48 000 euros de budget, je vois marqué. Je ne sais pas si on va pouvoir rentrer, je pense. Mais on va s'en approcher. Il faut faire des pompes, hein, parce que là, là. Ah oui, là ça doit dater parce que je vois même pas une date. Allez, je vous montre un dernier plan de l'église. On n'y rentrera pas donc vu la restauration qui est en cours à l'heure actuelle. Il faudra revenir à Bruges une autre fois. En tout cas, pour vos vacances d'été ici, vous êtes au calme. Il y a la campagne. Alors là, c'est vraiment... Cette fois-ci, c'est de la sente, là, Lionel, tu vois ? On a quitté la route, on se retrouve à l'ombre. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Bon, c'est sûr qu'il y a des cailloux par terre. Mais attention à ces rochers qui affleurent, là, sous l'herbe. Alors, on a un Lionel qui n'est pas court d'idées pour le titre de cette rando. Puisqu'on a fait trois trucs, ça s'appelle des trucs, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure, les sommets ici, ça s'appelle pas des pics, des monts, ça s'appelle bien des trucs. Alors il appelait ça la tournée des grands trucs. Voilà, c'est le titre que vous verrez dans la vidéo, en dessous de la montagne fendue, qui sera le titre principal. Donc, voilà de la pierre ici. Hein. Pierre érigée en mur, mais je ne sais pas s'ils l'ont sorti des champs, d'où c'est sorti tout ce tas de pierres. Il y a une sacrée quantité là. Et voici le deuxième instant publicité de ce parcours. Oula, c'est humide là, ouais, en effet. Mais là, on n'est pas sponsorisé par ces établissements-là. Établissement Gautier. Et bien voilà, on termine quasiment avec cette randonnée des grands trucs. On espère que vous avez aimé la vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires. Et puis aussi à la partager avec vos amis, et puis vous pouvez lire également toutes les infos sous la vidéo. Voilà, on se retrouve très prochainement dans un nouvel endroit. Peut-être Lionel sera là, je sais pas s'il veut venir encore avec moi, on verra ça. Et on vous donne rendez-vous très bientôt. Salut, ciao ciao.